manière d'être dirigé. Au début, j'avais besoin, donc à la lecture du scénario, et après ma première rencontre avec Nargis, on a défini le personnage et je me suis rendu compte que cette compréhension, elle devait d'abord être cérébrale. Si on avait cette connexion cérébrale avec le personnage, on pouvait l'incarner, on pouvait le vivre, et c'est ce qu'elle me demandait, tout simplement de le vivre. Elle ne me demandait pas de jouer, elle ne me demandait pas de faire plus de choses qu'il ne fallait. Elle me demandait juste de vivre, de ressentir. Et c'est en le faisant qu'on a réussi, je pense, tous à le montrer. So there was a new way, for me. Évidemment, vous avez remarqué que la caméra était très très proche de Ralia. Parce que l'idée, effectivement, c'était vraiment que ce personnage-là, on ait le sentiment qu'on est avec elle de l'intérieur. J'avais vraiment envie de créer une dichotomie entre dedans et dehors. So as you may have noticed, the camera was always very close to her. When she really wanted you to feel that one is inside and on the same side outside. Ce qui veut dire que les autres comédiens souvent sont flous. Which means that all the other actors very often are kind of not in focus. Donc, depuis le tournage, nos deux comédiens en flou se sont fait appeler flou-flou. So we called the two guys to the right, we called them the out of focuses. So they had to do lots of effort with their costumes so that they could be still recognized in this out of focus range. Terrible schizophrénie, c'est que derrière la caméra, nous étions tout le temps hilar en train de rigoler et qu'on a fabriqué un drame. And that is just to prove how schizophrenic cinema can be. We had so much fun behind the camera while we were making the film, and in front of the camera we did a real drama. Well, you had a question back there. C'est très particulier parce que effectivement il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a une chose centrale. En tout cas, il y a une idée centrale. Et l'idée centrale, c'est une forme de résistance. Je pense qu'il y a un mot d'ordre dans ce film, c'est la résistance. Mais ma résistance à moi, elle est sans violence. Ma résistance à moi, c'est que les femmes aujourd'hui, dans mon pays, relèvent la tête, réclament des droits. Et qu'aujourd'hui, ces droits, elles les prennent parce que c'est possible, parce qu'on leur donne. Donc moi, pour moi, il y a une espèce d'avancée. Or, il ne se passe tous les jours, par exemple au quotidien au Maroc, il est évident que des femmes souffrent encore, effectivement, de certains abus. D'ailleurs, ce n'est pas le cas du Maroc essentiellement, puisque effectivement, je pense qu'on est tous au courant un petit peu de ce qui se passe dans le monde, puisqu'il y a un certain nombre de scandales aujourd'hui. Donc, et j'aime cette idée qu'il faille sortir un petit peu ces drames, ce drama-là, de nos pays à nous. Parce que ce drame-là, il est partout. Puissiez respirer un peu avec elle. J'avais envie vraiment qu'on soit presque dans ces battements, dans cette espèce de souffle, peut-être à peine audible, parce que c'est là que tout se jouait en fait. C'est pas tant à l'image. Il me semble que c'est dans cette espèce d'intériorité, dans cette espèce de souterrain, bruyant, criant, qu'était l'intériorité de Enya. Donc j'avais envie qu'on traverse ça en douceur, en délicatesse. So I wanted to...